Et Allison. Nick et Juliette. Nick et Juliette. Ah oui, c'est Juliette. Anna Mess, les pères. Ah. 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 C'est notre Bayek. Laissez passer. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Que j'ai le plaisir de débarrasser le monde d'un idiot. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. Laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Quoi ? Trêve. Te voilà. Pas assez rapide. Qu'est-ce que vous voulez de moi ? Je ne sais rien. C'est ça, trêve. Ah!
Hein, mais que... Crève, chien. Laisse-moi parler à ma femme. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. Qu'on me laisse au moins parler à ma femme. Eh ben, ce n'est pas beau à voir. Ah, sans parler de l'odeur. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais... Bayek? C'est toi? Fais-moi sortir de là! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je ne sais rien. Ils ont enlevé 4 autres prêtres. J'espère qu'ils sont encore en vie. Cache-toi ici. Quitte le temple dès que tu seras certain qu'il n'y a personne. Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Vertueux, hein ? La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa ? Pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai 2. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires 16. Et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Hey. Eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur! C'est pas vrai! Et la grotte aux hyènes, alors? Tais-toi! Ça suffit, vous deux! Le sable me brûle les pieds! Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira.
Le troupeau n'est pas loin. On n'est pas après n'importe quel mâle. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît ? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. C'est pas grave. On fera plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Tu vois ? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. C'est la seule manière de viser juste. J'aimerais pouvoir tirer 100 flèches avec cet arc. Ah, c'est mon moment préféré. Baisse-toi. Ils vont nous voir si on ne devient pas comme Amon. Touché. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Allons chercher cette peau. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderai. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot ? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je te le dirai quand on arrivera. Quel mot il disait ton père déjà ? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi, tu peux. Je sais, j'y vais. Alors saute. Bon, reviens, tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Ah ! Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi ! C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Medjay Bayek ! Va, allez. J'ai peur, papa, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemo, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va ! Medjay Bayek ! Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler ? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler ! Ah ! Tiens. Qui es-tu pour me donner des ordres ? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable.
Au moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé ? On a été discret, Seigneur. On est resté dans l'ombre. Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Bayek, tu y répugnes aussi, peut-être, par loyauté envers l'oracle. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer d'avis. En avant ! Veillez à ce que personne n'entre. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça! Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps! L'enfant est effrayé. Tout va bien. Papa, il faut que tu leur dises pour la crypte! Il faut leur dire comment on utilise ça! En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte! Oh, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça! Seigneur! Le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Vite! Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Papo. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non ? Papo, je peux te l'apporter. Non ! Kemo, non ! Ils vont nous faire du mal ! Kemo, il faut... Kemo ! Quelle perte ! T'en stupide! Non, Kemo! Non, viens, le viens, viens! Parle! Non, je ne sais rien! Nous devons partir! Je vais arracher le cœur de ce garçon! Non, attends! Il ne connaîtra jamais l'autre monde! Non, je vais parler! Il veut gagner du temps! Qu'est-ce que c'est? Arrête! C'est de la folie! Le serpent. Considère que c'est ta réponse. Ah non ! Kemo ! Silence ! On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne.
Bayek de nulle part, misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Prépare-toi bien avant de partir. Je dois quitter Siwa. D'autres coupables attendent leur juste châtiment. Surtout celui qu'on appelle le Serpent. Comment vas-tu trouver ces hommes ? Aya est sur leur trace, à Alexandrie. Je dois aller la voir. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à son cousin à la bibliothèque. La bibliothèque ? Et elle m'a demandé de te transmettre un message. Sarapis. Sarapis. Le dieu que les Grecs et les Égyptiens partagent. Bien sûr, je vois. Et Bayek, occupe-toi de cette barbe. Au revoir, mon ami. Oh merde, Leila, tu dois reprendre de la cyclosporine, vite! Leila, on se réveille! M'oblige pas à descendre! Leila? Leila! Oh, reviens! Leila, t'es avec moi? Abiti. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, mais si je veux attirer ton attention, je dois te mettre en rogne. Je fais attention. Bon, tu dois faire une pause. L'animus te rejette. Ah, t'inquiète. C'est pour tes reins que je m'inquiète. Augmente la dose de cyclosporine avant qu'il te lâche. Oui, madame l'infirmière. Oh, j'adore quand tu me traites d'infirmière. Alors, ça s'est passé comment ? Mes modifs tiennent. Les mémoires du sujet sont parfaitement claires. Si ça ne convainc pas Abstergo de m'intégrer au projet Animus, rien ne le fera. Oh, super ! Qui tu as là-dedans ? Il s'appelle Bayek de Siwa. À la mort de son fils, c'est devenu un tueur. Il peut intéresser Abstergo ? Arrête ! Ils vont pas aimer la manière dont t'as géré cette mission. Ils savent que je me fous des règles. Peut-être bien, mais on peut dire que cette fois, t'as dépassé les bornes. Et ça n'aura plus d'importance si t'es dans le coma. Allez, va prendre cette cyclosporine. Tu cherches toujours la cyclosporine ? Je suis sûre d'avoir mise dans la trousse médicale. J'ai la cyclosporine. 2 cc devrait suffire. N'oublie pas de nettoyer à l'alcool.
J'aimerais être là pour t'aider. Tu m'aides déjà beaucoup, Diana. Même depuis l'hôtel. Et je sais que tu bosses mieux avec la clim. J'y retourne. Je kiffe trop ça. Sois prudente. Je dois protéger ces terres. Aya est partie à Alexandrie, la ville du serpent. Je vais les trouver. Imu. La ville de mon vieil ami Menehet. Il doit être dans le temple. Comme toujours.
paix. You're innocent. Whoa. Bayek, quelle bonne surprise! Je ne pensais pas te revoir avant des années. Paix à toi, Ménéret. Comment va ta famille? Les enfants semblent avoir grandi à chaque réveil. Ils nous occupent beaucoup, ma femme et moi. Et toi, as-tu des nouvelles de... Non. Ah, où ai-je la tête? Il y a tant de questions qu'il ne faut pas te poser. Pardonne-moi. Je vois à ta tenue que tu as eu une promotion. Ah, oui. Le grand prêtre, grâce lui soit rendue, a fait de moi son aide. Et il n'y a pas que mon rang qui a changé. Il faut que tu voies le temple. Tu me feras visiter ? Bien sûr, bien sûr. Quand il te plaira. Ah. Prêt à voir notre magnifique temple ? Je te suis, Ménéhet. Ou dois-je dire, serviteur de la déesse ? Ménéhet suffira. Tu es comme mon frère. Ce n'est plus la pitoyable ruine de ma dernière visite. Ah, te revoilà. Commençons la visite. Imu accueille désormais de nombreuses cérémonies présentant notre vie rustique. Cela attire des visiteurs dont la bourse pèse plus lourd que la cervelle. Je vois que tu connais bien les Alexandrins. Ça ne te pose pas de problème de conscience ? J'avoue que je me sens parfois mal à l'aise. Thank you.
Vaincu par des vauriens aussi silencieux que des fantômes. Oncle Bayek ! Oncle Bayek ! Bonjour, oncle. Trésor de ma vie, pourquoi n'êtes-vous pas auprès de votre mère ? Soulève-moi, oncle Bayek ! Ah ! Écoutez, il est inutile d'attaquer un homme par derrière quand on est quatre fois plus nombreux que lui, hein ? Tu nous as dit qu'il fallait exploiter le moindre avantage contre un ennemi dangereux. Oui, oui, oui. Et je suis très... dangereux ! Cachez-vous bien ! Le vagabond va vous traquer ! Éloigne-toi de là, Naïla. Tu déranges les prêtres. Tu me suis, Naïla. Tu pourrais te perdre sans moi. C'est un très grand temple. Oh. Ton père veut que tu... Asina, je veux que tu descendes de là. C'est un bon endroit pour regarder les étoiles. Seuls les prêtres ont le droit de venir ici. Tu le sais. Monstre, tu vas mourir de la main du puissant gladiateur Souris. Souris, recule! Ton père veut que tu rentres à la maison. Mais je préfère rester avec toi. Eh ben, par les dieux, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je voulais me cacher, mais maintenant je peux plus sortir. J'ai peur. Calme-toi. Je vais t'aider à sortir. Ha'amun, setier de mi'eni. Par ici, par le tunnel. Merci, oncle Bayek. J'ai retrouvé tous les enfants. Je vais annoncer à Menehet que les enfants vont bien. Nick Ennis. Oh! Ah. Regarde-moi ça! Les gens de ton marché nous volent, et toi, tu prétends que tu n'y peux rien! Ce qui se passe au marché ne dépend pas de moi. Adresse-toi au marchand qui t'a roulé. Prêtre, tu n'as rien à envier à la pourriture de tes momies. Menehet, ta progéniture est en sûreté chez toi. Merci, mon ami. Qu'est-ce qu'il avait contre toi? Les visiteurs venus acheter des objets religieux sont mécontents lorsque notre village n'a plus de chats morts à vendre. Je ne suis pas marchand, mais c'est souvent sur moi qu'ils viennent passer leur nerf. Il va falloir que je règle ce problème. Ah oui, ça y est. Narsucha ! Nick Ennis. Quoi ? Nedjer.
Nous, mais ni au Jediandre. Bédédouk, à Nikrayet. Sans lui, mon esprit ne pourra pas rejoindre celui de ma femme. Oh, ces momies de chat sont fausses. Gekou. Il n'y a que de la paille là-dedans. J'en donnerai même pas une drachme. Rejta'a, hebipip, hiya et miou nebes. Dépêche-toi. Ma sœur a acheté une statuette chez vous et elle s'est cassée dans la semaine. Ces momies de chat sont fausses. Pauvre Neketianet, comment vous osez demander de l'argent pour ces horreurs? On dirait qu'un enfant l'a fait. Il n'y a que de la paille là-dedans. Tu m'as vendu une amulette d'Ator et ma femme est quand même tombée malade. Quelqu'un a-t-il vu mon livre pour sortir au jour? Nick Ennis, c'est Jeriette. Personne ne peut m'aider. Ma sœur a acheté une statuette chez vous et elle s'est cassée. Ces momies de chat sont fausses. Parle-moi des fausses momies qui se vendent ici. Je ne veux en aucun cas être mêlé à ça. C'est Ménéhead qui m'envoie. Ton silence insulte son sacerdoce. Je ne veux pas fâcher Ménéhead, ni les dieux. On nous force à vendre des articles de mauvaise qualité. Sinon, on détruit nos étals. Qui est ce on? Je ne peux pas parler. Retrouve-moi ce soir, à la lisière du village. Tu aimes le marchandage? Bon vent, bonne route. Mon ami, je suis content que tu aies pu venir. Viens, assieds-toi et buvons un peu de vin. Hélas, je n'en ai pas le temps. Ah, la nuit est magnifique. Profitons un instant de la fraîcheur de l'air avant de parler affaires. Marchand, je ne suis pas venu pour prendre l'air.
Qui a organisé ce trafic de fausses idoles? Bien, tu vois, c'est assez compliqué. Beaucoup de gens sont mêlés à cette sordide affaire. Mais tous te diront la même chose. Malheur à l'homme crédule, car il est destiné à souffrir. Si tu cherches le mal, sois sûr qu'il te trouvera. À naviguer sur des eaux inconnues, on risque le naufrage. Aux armes! On a des ennuis! J'ai hâte de voir à quoi ressemblent tes noyaux. Ça charogne! Non! On a des ennuis ici! Aidez donc à Nitraillette! Un homme qui se bat aussi bien que toi peut se permettre d'être crédule. Parle, ou tu connaîtras le même sort que les autres. Ce ne sera pas nécessaire. Le campement de brigands où on fabrique les fausses momies est dans les dunes, au sud-est. J'imagine que tu es pressé d'aller le détruire. Mieux vaut ce camp que ton crâne. La destruction de ces imitations fera plaisir aux dieux. Par la lumière de Ré, c'est une honte. Bon sang, mais d'où ? Où es-tu ? Alerte ! Par ici ! Jamais on me voit ici. Coupez-lui la route, mais ! Je vais attendre.
Dormira tranquille. Vad hekt med nå? Nu när skedde. Wow. Ah. Que puis-je faire pour alléger le fardeau d'un vieil ami? Nous avons organisé un grand spectacle ici, ce soir. C'est que... Mais pas... Je vais aller voir. Pamou a un gros penchant pour la boisson.